Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, unboxing partenariat avec la boutique Paint Somewhere. Donc je vous mettrai le lien de la boutique ainsi que le lien des articles en barre de description. Si j'ai un code promo, je vous le mettrai également. Alors sachez que entre le moment où on a pris contact et le moment où je l'ai reçu, ça a duré 12 jours. Donc 12 jours entre la commande et la réception, donc parfait, c'est entre 10 et 15 jours, donc c'est parfait. Donc on va prendre, j'ai 3 toiles, voilà, donc j'avais un budget de 20$ à peu près, donc j'ai 3 toiles, donc j'ai une grande et deux petites. On va prendre d'abord une des petites. Alors, je vois qu'il y a du scotch ici, donc ça a été un petit peu rafistolé, et là il y a une... Donc, on va ouvrir de ce côté-là. Je vais essayer de ne pas couper la toile. C'est dommage. Hop. Non, c'est bon, j'ai pas coupé. Alors, j'ai pris 2 toiles en diamant rond et une en diamant carré. Donc ce sont des pochettes à bulles individuelles, donc très bien emballées. Et donc du coup, c'est une petite 30 par 40. Et j'ai choisi... Je vais remettre le fini transparent. Hop. Ça va l'aplatir un petit peu. Je dis bien un petit peu. Voilà, donc j'ai choisi la petite sirène. Voilà, donc qui fait un dodo dans le fond de la mer avec Polochon. Alors j'ai trouvé ça de très atypique comme image, comme visuel. Dans ce genre de site, moi j'adore trouver des images qui sont typiques de ce site et qu'on ne trouve pas ailleurs. Et vu que j'aime bien les Disney, mais j'aime pas prendre tout ce qu'on voit partout. Et là je l'ai trouvé très colorée, très joyeuse. Et c'est très original de voir Ariel qui fait un dodo avec Polochon. Alors je m'excuse pour le reflet de la baie vitrée qui est juste derrière moi. Donc vous avez 2 tableaux, un en haut à gauche, un en bas à droite. Une petite image, la taille 30-40, donc c'est avec les bords. L'image a fait 24 par 34. Je vais vous montrer les symboles. Voilà, donc les symboles, hein, très très clairs, ce sont des diamants ronds, et donc ce sont que des lettres, ouais, ce sont que des lettres majuscules, les symboles, et franchement, c'est hyper net, et donc il y a 24 couleurs, et il y a les DMC sur la toile. Donc je vous montre également, je vais vous montrer dans le bas. Les petites 30-40 comme ça, ce sont des grandes surfaces à diamanter, donc ce sont des blocs, ce ne sont pas des confettis, donc ça va être très très facile et rapide à faire. Donc vous voyez, même dans le bleu, dans le petit rouge, c'est très très bien imprimé, donc ça colle super bien. Vous voyez déjà qu'on remet bien le film, qu'on enlève toutes les bulles. Déjà la toile a s'aplati nettement mieux. Et donc avec, vous avez un toolkit de base,
Donc la barquette verte, le pain de cire et le stylet avec des petits sachets. Donc ça, c'est très intéressant parce que je les récupère. Et surprise, ce sont des sachets zip avec les gros numéros. Donc par contre, sur les sachets, vous n'avez pas la DMC, mais vous les avez évidemment sur la toile. Donc regardez moi ce panel de couleurs. C'est très très joli. Vous avez du bleu, du gris, du rouge, du jaune, du beige et du vert. Donc là, vous êtes en sachet zip, je vais pas les sortir. Vous voyez très bien le panel de couleurs. Et donc cette beauté, j'ai envie de dire, a été au prix de 5,47 €. Voilà, sur le site. Donc ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien. Vous pourrez cliquer directement et la trouver. Et je l'ai trouvée trop trop belle. Bon, voilà pour la première toile. Voyons voir la deuxième. Alors là, c'est pareil, c'est scotché ici et un petit, scotché à la main de l'autre côté. Alors là, c'est une toile aussi originale qu'on ne trouve pas ailleurs. J'essaye de vous prendre des spécificités de chaque site. Comme ça, c'est bien que les sites se démarquent un peu entre eux. C'est pas toujours la même chose. Alors je vois déjà que là, ça a été mal découpé, mais bon, c'est pas grave. Et regardez-moi ce visuel là. Voilà, j'ai pris Picsou. Alors Picsou, c'est toute mon enfance, hein. Mes parents nous avaient abonné, mes frères et mes sœurs, au journal de Picsou. Et donc, cette bande dessinée m'a accompagnée toute mon enfance. Donc, elle est trop belle. Ça représente bien Picsou. Voilà, avec sa redingote rouge, son chapeau haut de forme et sa petite mallette pleine d'argent, plein de billets. Et puis le fond n'est pas monotone. Là, par contre, c'est un petit peu plus confetti. Il n'y a que la partie redingote qui est. Et puis le blanc de son corps qui est bloc, c'est autrement que des confettis. Donc j'adore, regardez-moi ça. Donc je vais vous la montrer. Voilà, ça colle bien. J'ai l'impression que. Non, j'ai fait une bêtise, je reviens. Alors ça colle super bien hein, parce que. Le papier s'est retourné et en fait, je peux vous dire que là, ça colle encore plus que l'autre. Je peux vous dire que là, ça colle. Je vous ai pas dit, mais les toiles sont pailletées. Et je vais vous approcher pour que vous voyez les symboles. Hop. Voilà. Donc, dans le foncé, ça se voit très bien. Dans le clair aussi. Et donc celle-ci, il y a 22 couleurs. Donc c'est pareil, c'est que des majuscules, des lettres majuscules avec la DMC sur le côté. Donc c'est super. Et ça colle super bien. Et le papier transparent, comme vous pouvez l'entendre, il est plus épais. Et il ne va pas déchirer. C'est vraiment de la très bonne qualité. L'autre est un peu plus fin, mais celle-ci, j'ai l'impression que le film est mis à l'envers, mais non. Parce que voilà, il s'est recollé. Parce que là, il s'est recollé à l'envers et je peux vous dire que c'était presque impossible de le redécoller. Donc c'est avec de la colle coulée, hein. Là, voilà, nickel. Je vais vous montrer dans le bleu en bas. Alors, est-ce qu'il va faire le focus? Hop, voilà. Là, on voit très bien aussi les symboles. Donc, impeccable. Hop. Et là, elle est quasiment mise bien à plat avec la remise en place du film.
Bon, je vous la remontre. Franchement, elle est trop trop belle. Et avec, vous avez le toolkit de base, mais sans les sachets. Voilà. Donc la barquette, le stylet et le petit pain de cire. Et là, c'est pareil. Donc c'est des diamants ronds. C'est pareil, c'est un petit sachet zip. Zippé. Voilà. Et vous voyez là, donc là, il y a la référence de la toile. Et vous voyez le panel de couleurs. Donc là, c'est plus dans les orangés. Donc là, il y a 22 couleurs. Et ce sont des diamants ronds. Donc je vous approche pour que vous voyez la qualité des diamants. Et que vous voyez les couleurs. Voilà. Et donc, Picsou. Picsou en 30 par 40. Donc c'est avec les bords. Donc là, ils ont oublié de découper. Vous voyez, normalement, c'était sur le bord rouge qu'ils auraient dû découper. Bon, c'est pas très grave, hein. Mais c'est 30-40 entre les bords rouges. Donc, c'est 24 par 34. Et elle était au prix de 5,47€ sur le site de Paints'n'Mouais. Donc, je vous mettrai le lien en barre de description. Et donc, voilà pour la deuxième. Et pour la troisième... Donc la troisième, c'est une diamant carré, normalement. Je vais utiliser mon ciseau puisque ça colle très très bien et je galère toujours à l'ouvrir. Voilà. Alors, déjà il y a tout le kit de base, sans les sachets. Et donc celle-ci, elle est particulière pour moi. Elle a une petite histoire. Ouais, ils ne sont pas trompés. Et donc, voilà, j'avais un chat qui est décédé l'été dernier. Un chat que ça faisait 9 ans qui partageait notre vie. J'étais très proche et du coup, quand j'ai vu ce DP, j'ai tout de suite pensé à lui. C'était un chat roux tigré, pareil. Du coup, ça m'a fait trop penser à lui. Et donc, je me tâte à lui faire un personnalisé avec la vraie photo de lui. Mais en attendant de trouver la photo pour le faire, je me suis dit que celle-ci était vraiment pas mal. Je vais vous montrer l'image. Voilà, voici l'image. Et ça me fait trop penser à mon petit bidouille. Voilà, donc ce sont des diamants carrés. Je vous montre l'impression. Celle-là va me faire passer par des émotions. Et je pense que quand je ferai le personnalisé, ce sera encore plus poignant, j'ai envie de dire. Donc du coup c'est une 40 par 40, donc je pense que c'est avec les bords et il y a 24 couleurs. Voilà, donc vous avez également les DMC et c'est également que des lettres majuscules. Donc franchement ça sera vraiment un régal à faire. Vous voyez les symboles sont top. Ça colle encore super bien. Je vais replacer. Le papier transparent. Franchement, Paints'n'Mouais, c'est une top qualité. Je vous recommande. Hein. Hop. Et je pense pas que j'ai déjà testé leur carré. Je vais regarder. Ça, c'est le deuxième partenariat que j'ai avec cette boutique. J'avais déjà pris des carrés, mais je les ai pas encore faits. Donc, j'ai pas encore testé ce carré. Ça fait la troisième fois le carré que j'ai de chez eux. Et j'ai pas encore testé. Il faudra que je vous fasse, que je fasse une toile de chez eux pour que je teste les carrés. Donc, ça sera peut-être celle-ci.
Voilà, donc vous le voyez très bien. Voilà, c'est vraiment. Ça va être fort en émotion, moi je vous le dis. Je voulais voir, oui, si c'était un vrai 40-40. Je vais chercher mon mètre et je reviens. Voilà, donc je mesure. Donc c'est un 34 par 34. Voilà. Donc c'est un 40-40 avec les bords. Voilà, et donc les diamants sont également en sachet zip. Donc je pense que c'est de la très bonne qualité. Donc voici le panel de couleurs. Alors il y a le reflet. Hop. Voilà, donc ce sont des diamants carrés. Je peux vous approcher, hop, pour que vous puissiez voir la qualité des carrés. Après, ben, je le verrai moi sur au moment de la pose. Hein. Il n'y a que à ce moment-là que je le verrai. On peut pas voir là, si on peut voir à peu près qu'ils sont un peu tous de la même taille. Ceux-là, ils ont des petits trous en dessous, mais rien de bien méchant. Là, à vue d'œil, je ne vois pas de déchets, mais ça, c'est pareil, c'est en utilisant les sachets qu'on le voit. Et ben, c'est en les posant qu'on voit tout de suite si c'est avec des petits écarts ou pas. Donc ça, je vous ferai un retour évidemment quand j'aurai testé les carrés de cette boutique. En passant sur les sachets, vous avez des petites étiquettes. Alors ça indique le numéro de la couleur. Vous avez également la référence. Et 9. Et vous avez la DMC également sur les sachets. Donc voilà, donc c'est tout répertorié. Donc les trois ont des sachets zip. Donc je vous les remonte. Donc je vous ai pas dit le prix de ce DP. Il était à 10,04 €. Voilà, je vous mettrai également le lien en barre de description. Donc voilà. Donc merci à Paint Somewhere pour ce nouveau partenariat avec eux. Je suis très heureuse de voir des DP, des visuels qu'on ne voit pas ailleurs. J'espère que cet unboxing vous aura plu. J'espère vous faire un retour sur les carrés de cette boutique rapidement. Bon, après, j'essaie de limiter mes DP en cours. J'essaie de les finir et pas faire des trop grands en cours en même temps. Et ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo papotage, je vous en parlerai. Donc j'essaierai de tester des vendeurs que je ne connais pas pour mes prochaines toiles. Voilà, donc je mets toutes les informations en barre de description. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, pourquoi pas, à mettre un j'aime et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!